Bon, bonsoir les gars, première interview de Durdox. Salut. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas encore, qui vont bientôt vous connaître. C'est bientôt la grande gloire, mais j'aimerais bien vous présenter un petit peu à tous les auditeurs. Ouais, moi c'est Chico, baptiste du groupe. Ouais, c'est... Un peu toi le fer de lance, t'as pas ce qu'on m'a dit. Non, non, ils sont venus chercher, c'est pour moi. Ah oui, ouais, puis t'as tout de suite été d'accord pour rentrer dans le groupe là, ça. Enfin, un petit moment de réflexion, parce que je crois que t'as quand même une grosse carrière en tant que soliste à la base. J'ai une petite carrière derrière. Ouais, et puis. Surtout, il manque de bien, mais après direct. Ouais, ils ont balancé le titre de l'album tout de suite, la piste sur la duette. Ça a fait ça, c'est bien. Quoi, mais c'est un nom qui percute, hein. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais c'est assez revendicatif quand même. Mais on parlera de l'album un peu plus tard, j'aimerais bien que vous vous présentiez tous. C'est Jean-Jacques Fatial. Le fameux Jean-Jacques Fatial, ouais. Guitariste et chanteur, c'est bien. Et c'est pourri, chanteur, leader un peu aussi, non? Il y a pas de leader, chacun apporte sa petite touche Chidon, pardon, Chidon. Ouais, mais Chidon, c'est clair. Ouais, c'est... De quoi ça part un peu, Yandox? C'est quel style? C'est de la musique classique? De la pop à la panine? C'est quoi? Yandox, c'est un concept, c'est un peu de la merde, quoi. Autour de... Ah, vous vous revendiquez merdique? Enfin, non, plutôt pas merdique, mais chieur, quoi. Chieur. Et on a foutre un peu fuck de système, quoi. Ah, c'est vous, quoi. Ouais, fuck de système. Ouais, j'ai, vous êtes sponsorisé carrément, non? En fait, disons, c'est assez bien, mais ils ont fait la marque pour nous, quoi. Oui, ça se met avec une petite eau chaude. Froide. Froide, ça veut dire et après, nous, on a fait un cocktail. Ouais, en fait, le groupe est né suite à un cocktail qu'on a quand même profité sur le 8. C'était chier, c'est un petit défoncé. Et ouais, en fait, on a profité à Venise. Et c'était du Viandolf, du Viandolf. Pourquoi Bernard? Enfin, moi, je le connais parce un peu, c'était quelqu'un que j'apprécie, mais il était pas trop scat. Ouais, c'était un peu moisi, voilà. Ouais, ouais. Donc, on voulait un mec qui trouvait que c'est un peu une image pour votre groupe, quelque part. Ouais, un manqueur. C'est pas un peu fort, mais. Un emblème. Ouais, ouais, il fallait un mec charismatiquement zéro, plutôt qu'un. D'accord. D'accord. Et donc Bernard, ouais, Bernard Ménès pouvait en meilleur représenter tout ça. Donc ça, c'est des. Ouais, mais sinon, enfin, vous n'avez pas vraiment répondu à mes questions. Les influences, est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce que vous êtes influencé par quelque chose? Non, vraiment. Ouais, ça joue un peu. Bon, là, plus qu'on influence, mais ouais, on a pas une majeure pour l'autre. Ouais. On a nos trucs et puis quoi. Influence majeure, c'est la meilleure. Ouais, voilà, on est plus influencé par la musique, par le chant de la canette. Et donc là je remarque quand même, enfin, il y a une petite chose qui m'étonne là, je vois qu'il y a un bassiste, il y a deux guitaristes, un chanteur. Il n'y a pas de batteur pour l'instant, vous comptez jouer sans batteur carrément? On cherche le batteur, on cherche, on va trouver forcément. Ouais, on va trouver. Ouais, donc Yandex, c'est une épreuve encore au complet quoi. Ah, non. C'est un peu un Ménès dans lequel il manquerait le lait ou le Yandex. Voilà. Ouais, voilà, c'est un peu un... C'est vrai que sur 10 pour le moment. Enfin, 10, 12, c'est pour le moment. Objectif 10, attends, on verra, parce que ça fait 15. Et donc alors le premier album de la piste sur la cuvette, un titre un peu fort quand même. Quand est-ce que ça va sortir tout ça? D'ici peu, ouais. Tourner. Pensez à faire une tournée avant, presque tout peut-être. Ouais, parce qu'en plus on a plus que ça à foutre en fait. Ouais. On a personne à faire dire à ce moment avant que ça marche bien celui-ci. Ouais. Parce que c'est le seul moyen pour nous de nous faire pas trop chier et gagner du pognon. Ah, c'est pas un moyen. Ouais, voilà, tant que les concerts et l'album permettent d'acheter de la pignon pour répéter, le groupe s'arrêtera pas. Et donc, si je reviens à votre album, là, de la piste sur la cuvette, est-ce que c'est très tôt les influences les textes, j'ai vu que les textes étaient sans fioriture, je dirais. Pour sortir du bon son, bien pourri comme on fait, on écoute la merde. Ouais, carrément. Il y a l'air d'y avoir des titres forts quand même. On a des gros titres, des gros titres évocateurs, mais je te dis, le but majeur, il est vraiment faire chez nous. On fait une première partie, mais le jeu, c'est vraiment pourrir, enfin pourrir. Dans l'esprit. Niquez le groupe qui va venir après, peut-être donner le titre. C'est pas très fair play pour un groupe qui vient après, quoi. Non, mais en ce moment, du groupe qui vient après, en fait. Nous, je vois, c'est du jeu, c'est se faire les gens, faut que les suivants. Bah, c'est underground, mais c'est vachement underground comme groupe. Ouais, c'est vrai, peut-être, je sais pas, tu vois. C'est plus d'esprit shit dans. Hein. En shit dans. Ouais, en shit dans, on joue un petit peu la provoque. Ouais, personne, quand on vous dit au bon, on chante. Bim, la bim, le bon. Ouais, voilà. Ouais, on fait au shit dans. On s'en rentre un peu dans la musique de notre président, mais on shit dans. Ouais, voilà. Ouais, esprit punk, et puis voilà, on shit. Et donc il y a une tournée, quelque chose de prévu là, une fois que tout sera mis en place parce que là je sens que c'est le début, c'est encore un peu de quand même. Ouais, toutes les brasseries. Tournée des bars. Jouer gratuit s'il y a un bien à monter. Ah, ça, non mais c'est bon de dire comme ça en interview, parce que je pense que ça peut vous ramener des gens intéressés, des producteurs même. Hein. Vous pensez que vous pouvez arriver. Il y a des bières avant. Vos maths. Donc ça me paraît bien parti quand même, Viandox, hein. En gros, dès qu'on a le batteur, l'album, les chansons, il y a moyen de cartonner. Ouais. Quoi. On va Après, on verra comment ça se passe à l'extérieur. Vous avez peur de ça, justement, de regarder des gens, qu'est-ce que les gens vont penser, ça va peut-être me choquer plus d'un. Bah, je sais pas, tu vois, si nous on peut déjà leur apporter un peu de déconne et que les gens se rappellent de nous, on parle de nous, et j'ai une bonne banane, un bon sourire, ça sera jamais un truc. J'ai eu la chance de voir.
J'ai eu la chance de voir une répète en avant-première. Je pense que les gens s'en rappelleront. D'ailleurs, on avait fait, on avait déjà joué, mais on a plus de ça sur le concert. D'ailleurs, on a mis une bonne sauce, on va recoller une après, d'ailleurs. Ouais, ça change, ça fait ça, c'est autre. Enfin, en tout cas, c'est prometteur. Comment ? C'est prometteur. Ouais, sûrement. On y croit, ça peut relancer la scène française, je pense. La scène que pour un peu, quoi. Ouais. Ouais, parce que nous, voilà, on relance la scène française, les gars, en chinois, ouais, puis vous voulez pas faire du punk, tu vois, traditionnel, c'est plutôt promouvoir la culture de l'alcool. Un mot pour la fin ? En même temps, il n'y a peut-être pas de mot d'accord, c'est qu'un début, hein. Ouais, peut-être. Bah oui, certainement, voilà. Comme le canon nous représente la Renaissance, la philosophie en Burdox. Merci en tout cas, Burdox. Comment ? Merci en tout cas, Burdox. Ouais, c'est cool, là, ouais. J'espère que, quand vous serez connu et que vous gagnerez des millions, on pourra toujours discuter avec vous, comme ça. Peut-être avec des millions, pas acheter pas, peut-être. Bien sûr, il y a du bon. C'est une bonne sirop, je pense. Quand tu auras de la piste sur la cuvette, tu auras d'espoir. Ouais, essaye, en tout cas. Ouais, je pense que c'est une On rentre sur la route du bon, hein. Ouais, voilà, l'arrivée est tout. Trois bières et tout. Bon, mais ça marche. Ouais,